J'étais constipé et ballonné. Une semaine plus tard, mon côlon est propre grâce à ce puissant remède naturel. De nos jours, la majeure partie de la population a un mode de vie malsain qui s'illustre par de la sédentarité, du stress ainsi qu'un régime alimentaire riche en sucre, en gras et en produits transformés. Cette façon de vivre affecte notre santé et cause diverses maladies dont des troubles digestifs, comme de la constipation et des ballonnements. En effet, étant donné que notre ventre est notre deuxième cerveau et qu'il joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de notre digestion, nous devons en prendre soin au risque d'être dérangés par des affections ainsi que les conséquences qui en découlent. La constipation est l'un des troubles digestifs les plus fréquents car elle touche 1 personne sur 5 en France. Cette maladie s'illustre par une difficulté à aller à la selle et s'accompagne généralement de ballonnements, de douleurs abdominales et de malaises intestinaux. On parle de constipation de transit lorsque les selles sont dures et rares, soit moins de 3 fois par semaine, mais qu'il y a possibilité d'évacuation. Cependant, lorsque le malade éprouve une sensation de défécation incomplète ou difficile ainsi qu'une plénitude rectale et qu'il doit faire des efforts de poussée importants, on parle de constipation terminale. À long terme, la constipation occasionnelle ou chronique, qu'elle soit de transit ou terminale, fatigue l'organisme et provoque des brûlures d'estomac, des hémorroïdes, des maux de tête et une irritation du côlon. Par conséquent, afin d'éviter d'endommager davantage votre système digestif et pour traiter la constipation et les ballonnements, il convient de s'hydrater, d'intégrer peu à peu des fibres à son régime alimentaire, de pratiquer la marche à pied après les repas et d'utiliser des remèdes naturels qui préservent la flore intestinale, comme c'est le cas du remède suivant. Remède pour éliminer les ballonnements et soulager la constipation. Ingrédients. 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, 2 cuillères à soupe de miel, 1 tasse d'eau tiède. Préparation. Afin de préparer ce remède naturel, il vous suffit simplement de mélanger le vinaigre de cidre et le miel dans la tasse d'eau. Ensuite, consommez la préparation, de préférence le matin à jeun pour des résultats optimaux. Cela favorisera l'élimination des toxines présentes dans l'organisme et facilitera le transit intestinal. Le vinaigre de cidre est un allié santé ayant une forte teneur en composants bioactifs, dont la bactérie, l'acétobactée qui facilite la décomposition de la nourriture qui reste collée aux parois intestinales. Il régule également l'activité intestinale, réduit les ballonnements, traite les remontées acides et renouvelle la flore intestinale. En outre, il réduit le taux de sucre dans le sang à la suite d'un repas et il diminue la pression artérielle. Le miel, utilisé tant pour la cuisine que les soins de beauté. Le miel est tout aussi efficace en ce qui concerne la santé. Il traite notamment la constipation et la diarrhée en agissant comme un laxatif doux. Cela s'explique par sa teneur en fructose qui compense le manque d'eau lors des troubles digestifs. Par ailleurs, le miel est source de vitamines, de magnésium et d'antioxydants bénéfiques à l'organisme.